Le doigt. La lumière est bonne ici. La lumière est bonne là. Le sujet prend bien la lumière. Eh bien, bonjour les amis, de retour du Japon. Je suis avec Sensei Carlito, Sensei McFly. Tu m'as coupé. Les mecs, je vous ai fait une petite surprise. J'ai besoin de toucher tes genoux. J'ai ramené des objets d'un magasin qui s'appelle le Dunkit. Dunkit, c'est quoi? C'est un magasin. T'imagines Carrefour sur 5 étages. Et le dernier étage, c'est que des bêtises. Voilà. Des bêtises. La valise est là-bas. Vu que j'ai la flemme de la ramener, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira chacun notre tour chercher un objet. Ok. Pourquoi aussi loin? Je ne sais pas. Mais elle est vraiment à 2 mètres. Elle est vraiment. À... On pourrait la mettre là. Oui. Et les deux personnes qui n'auront pas cherché l'objet devront occuper les gens. Ok. Ouais. On fait un jeu comme ça. Quand c'est toi qui jouis. Ok les gars. Il est mignon ton petit Shiba que t'as acheté au Japon dans ton voyage avec Maxence. Non, c'est... Et bah vous vous ressemblez. Bon les gars, premier objet. C'est un demi-flingue. C'est très perturbant. Cet objet est extrêmement cool. C'est une roulette russe avec des ballons. Des fois, ça va taper le ballon. Quand ça le tape, le ballon va péter. Je veux pas faire le mec relou du fond de la classe de la vidéo, mais on dit pas des fois, on dit parfois. Pour ceux qui ont vu Voyage au bout de l'enfer avec De Niro. Oh, ta gueule, putain. Ferme-la, putain. Oui. Ce moment me plaît. Ok, t'es prêt? Tu commences. Tu dois le mettre proche de ton oreille et appuyer sur la détente. J'ai peur de rien. Je suis un héros. Allez! Oh putain, c'est on a survécu. On a survécu. Plus près de ton oreille. Ah yes. J'avais tellement peur. Chatte. Dites à ma mère que ma collection de One Piece, il ne faut pas la toucher. Ah non, non mais c'est pas possible. Ah putain. Pourquoi c'est toujours moi? Eh, premier objet, j'aurais peut-être dû en prendre un autre parce que c'est un des meilleurs. Hein. Ouais, j'en cherche un. Allez, vas-y, t'as pris quoi? Non mais ça, mec, ça c'est... je me suis trompé de... Oh, c'est pour ton Shiba? Oui, c'est pour mon chien, c'est un jouet, il avait le même là où il est et... Ok. Putain, tu l'aimes tellement ton chien, t'as vérifié si t'étais pas stérile? Alors ça, qui n'a pas de barre parmi nous? Personne. Donc cet objet, est-ce qu'il a un intérêt? La réponse est non. Oh, on peut le porter le reste de la vidéo. Ok. Ok les mecs, c'est simple, ça va être un match. De quelque chose de pas ridicule, c'est un sport certifié par le Japon. C'est faux. Alors, on comptera le nombre de balles à la fin qu'il y aura dans la tête de l'autre. Mais on doit se les mettre nous-mêmes? Non, moi je les mets dans toi ou je les mets à moi? Moi je les mets jamais dans toi. Et ensuite, c'est bon. J'aime quand tu me la mets. Oh mais la petite blague de cul là qui passe. Oh non! Heureusement, c'est du Made in Japan, c'est très solide. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je te montre. Wow! Un point! What the fuck, ouais! À toi. Nope. Bienvenue dans cette partie de ping-pong tête qui oppose. Mais enfin, y'a même plus de joie quand il régit! Jean-Juan Carlito, qui vient du Brésil, à Lucas Auchard. Ah fuck! Quoi? Alors, nouvel objet les amis. Ah, tu viens de faire quoi? Comment? Tu sors. C'est nouvel objet. Non mais c'est une blague Raphaël. Ah bah elle est marrante cette blague. Ok les mecs, nouvel objet. Alors j'ai pris des risques en ramenant ça puisqu'il contient de la poudre pour faire finalement exploser des billets de 10 000 yens. Le principe est très simple, quand je vais tirer sur cette corde, il y aura un maximum de billets qui vont tomber. Vous êtes prêts? Il y a des vrais billets dedans? Mais oui putain, il y a des billets qui mais vont tomber. Mais m'engueule pas! Putain mais le pédagogue! Qui tire sur la ficelle? Moi, j'adore tirer sur les ficelles. La thune! La thune! La thune! Oh, ça sent bon! Alors, moi, j'adore l'odeur du. Cette odeur. Oh, ça sent bon! L'odeur du chauffe là! Calme-toi! Mais mec, je pensais que les billets ils étaient taille réelle, par contre il y a eu une petite arnaque. On passe à la suite! Alors, ce bureau va brûler avant la fin de la vidéo. Vraiment un bordel. C'est vraiment le bordel. Si l'objet est une fausse rose, je pleure de rire. Alors, c'est une rose que tu offres à ta copine. Et en fait, dans la rose, c'est quoi? Chaque objet est cassé ou cassable. C'est fait exprès. Dans la rose se cache une culotte. Ah. C'est tout. C'est oui. Deux objets. Oui. Ah, je remplace. Il n'y a aucune spécificité. Non mais vous avez pas compris. Le principe c'est que tu offres une rose et en fait dedans se cache une culotte. Ah c'est genre un truc romantique avec du sexe dedans. Oui. Ah bah waouh, gros niveau, super. Tant qu'on est dans le pétard et je parle pas de cannabis. Wouh. Ça veut dire quelque chose? M72. C'est une bouteille. Alors de... en fait c'est la même chose que le truc d'avant sauf que c'est censé faire un maximum de bruit. Oula, ouais non c'est peut-être dangereux ça. Non mais mec. Bon, un peu de retenue, un peu de calme, on s'assoit et on travaille s'il vous plaît. Arrête, tu te mets en slip et tu m'enfiles ça. Avec plaisir. Pendant ce temps-là, on va combler. Oh non, mec. T'es mort. Moi je trouve ça un peu violent les gars. Écoute-moi, sois doux, ça va bien se passer. Tu fais ça pour me le faire brutalement. C'est une histoire douce avec un petit lapin qui... Non.
Il aurait dû péter. En fait, il a pété. Si, si, regarde, regarde, il y a le... Il y a le... Tu es maintenant le titan colossal. Franchement, ça fait plaisir. Nique sa mère, nique sa mère. Surtout, on dirait que t'as des muscles, hein, surtout. Ça fait les abdos. Ouais, après, j'ai une bonne base. Ok. Pour fêter nos retrouvailles, puisque 10 jours sans vous au Japon, les gars, je me suis senti tellement mal. Moi aussi, grave, pendant que t'étais pas là, j'ai vraiment badé. Ça, c'est simple, c'est un objet, un ustensile vraiment apprécié pour faire la fête. Oui, oui, oui. Oh là, qu'est-ce que c'est bien pour nous déjà. Donc là, je suis content pour fêter ça. Hé, hey, Lucas, tu viens de gagner 600 millions d'euros au loto. Lucas, tu as reçu un message sexy de Harry Roselmack. Lucas, ton père vient de mourir. Alors les mecs, est-ce que vous l'appréciez ce Jackie Chan? Oh oui, celui-là, totalement. Je lui ai acheté un copain. Voulez-vous découvrir la tête de l'acteur en question, s'il vous plaît? On peut chercher? Vous pouvez chercher. Des indices? Il est européen? Il pèse énormément. Alors, américain? Leonardo DiCaprio? Non. Il est mat de peau ou blanc de peau? Peut-être. C'est un acteur américain qui pèse énormément, et même en kilogramme, il pèse beaucoup en masse musculaire aussi. The Rock? Oui. Dwayne Johnson? Attention. Voici le corps. Ils ont un truc au Japon avec les gros seins et tout, on non, est d'accord? Non, non. Merre, j'ai pris un pantalon trop petit. C'est vrai, t'as voilà. Pas pris la bataille? Bah je peux pas le pousser plus loin. C'est pas stretch? Est-ce que tu veux que je tienne la figurine? Toi t'as l'habitude de saper des meufs toi. Je fais souvent avec ma fille. Okay. Bim! Yes, le corps est prêt! Bouge ton body. Allez. Lucas, mec, ça va aller, hein. Lucas, c'est bon, donne à moi, je m'en charge. Ça va, il veut s'en charger. Hé, hey, Raphaël, okay, Raphaël, c'est bon, arrête un peu. D'accord, c'est bon. Mec. Bah moi, j'adorerais une femme avec un corps comme ça, mais le visage de The Rock. Mais ça, par contre, c'est pas normal. Il est pas ah oui, ça, c'est comme les mecs au skate qui se fracturent quand même, ouais. Mais y'a un problème avec son bras. Mais le mec, vous lui avez fait une fracture. Non, mais pour de vrai, il est pété, son bras est pété. Nouvel élément de déco, alors? Yes. Nouvel élément de déco en direct. Et voilà. Bravo. Nouvel objet. Ah, les mecs, je suis trop content de celui-là, j'avais hâte de tester. Ce sont des pilules pour sentir mauvais de la laine. Oh, ok, Carlito, essaye. Moi, je veux pas essayer, j'ai trop une angoisse avec les haleines qui puent. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais je suppose qu'il faut mélanger ceci à de l'eau. A few moments later. Mec, non mais regardez. Mec, c'est horrible. Avec cul sec, cul sec. Mais ça avale pas. Mais si, bien sûr. Je le vois pas, mec, t'es fou. Mais mec, c'est incroyable. Mais Raphaël, tu bois ça tout de suite? Mais t'as levé la main, Raph. Mais mec, y a rien à la clé. Qui parmi vous a envie de boire ça? Mettez en commentaire, taguez quelqu'un qui n'a pas besoin de ça et qui pue déjà de la gueule. Attends, on peut faire un combo. J'ai acheté un objet qui te permet de boire sans avoir à aller chercher ton verre. Car il s'agit d'une paille de 3 mètres. McFly, prends la cam, tu vas cadrer. Je filme. Tu vas te mettre là contre le mur ici. Et toi, tu vas suivre le liquide à travers la paille. Ah ouais, bien joué. Dis quand tu commences. Allez, vas-y, commence. Ouah, tu vas vite. Il est là. Ah ouais, carrément. Il a fait des verres. Oh, ne crache pas. C'est des femmes. C'est chez les femmes. Non mais je pense ça m'est. Oh le bordel. Non mais mec quoi les gars. Allez, on finit, on range, hein. Oui, ouais, 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 t'inquiète. Ouais. On va ranger, ouais, t'inquiète. Les amis. Il vient d'esquiver le jet. Oui, c'était esquivé. J'ai esquivé sans faire. Ah, incroyable. Esquivé une. Ah autre. Ouais. Bilan des courses, est-ce que Raphaël pue de la gueule? Oh, ah mais je crois que c'était déjà avant. Oh lol. Oh bah c'est inattendu ça. Alors ça c'est un objet, je n'ai pas compris. Oh regardez surtout, c'est François Hollande mec, le mec. Oui. C'est vrai. Alors est-ce que tu peux allumer ici? Ouais. Ah, oh, putain ça brûle. Il y a un détecteur de fumée. Attends mais ça se trouve ça me pétait dans les doigts. Allez. Attends, l'odeur. Non, c'est un mec. Horrible. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans la porte? Parce que là, il y a quand même. Ouais, et d'ailleurs, petite précision. Mec, arme incendie, attention quand même, les gars. Hein. Ouf. Ouais, pardon. Les amis, dernier objet. Vous allez finir avec la tête de ce japonais ici présent. Qui veut tester? Moi. Ok, nickel. Oh le con. Alors, c'est la meilleure invention de tous les temps. Ça, tu me le tiens. Je ne suis pas ton chien, je suis pas ta petite pupute. Ok, je suis pas une victime, on va en discuter ça. Ce sont des claquettes. Sur ces claquettes, je vais disposer de manière adéquate une simulation de Lego. Juste ici. Oh non. De manière à ce que sur la claquette, il y ait une sorte de Lego qui ressort. McFly, je vais t'inviter à juste mettre ça à tes pieds. Oh. C'est parti. Aïe. Ah. Ça fait tellement mal, putain. Aïe.
Aïe! Aïe! Je peux essayer? Mec, c'est horrible! Ah Alexandrie! Ah Quand est-ce qu'elle s'arrête cette vidéo? Non, non, ne pose pas de questions. Non, non, mets tes pieds là-dessus. Mets tes pieds. Attends, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Que des blagues. Corps de santé.